Dans les Corbières, la forteresse d'Aguilar, château du XIe ou XIIe siècle, surveille du haut d'un promontoire la vallée de la Verdouble et sécurise la frontière entre les comtés de Narbonne et du Roussillon. En 1257, le château devient la possession du roi de France Saint-Louis par une donation de son propriétaire, le seigneur Olivier de Termes. En 1597, le château perd de son importance stratégique et l'abandon précoce de ce lieu livre le château au pillage et au démantèlement de ses structures. Puyvert. Dominant un ancien lac glaciaire, le château de Puyvert, XIIe siècle. Ce bastion était la possession de la famille Congoste, adepte de la religion cathare. En 1210, au cours de la croisade contre les Albigeois, le château tomba aux mains des croisés au bout de 3 jours de siège. Le seigneur de Congoste se réfugia avec sa famille au château de Montségur, dernier point de refuge pour les amis et les adeptes de la religion cathare. Contrôlant le col de Croc de Morin à 700 mètres d'altitude, le château de Quéribus, XIe siècle. Comme toutes les forteresses ayant servi de refuge aux hérétiques, le château est assiégé par les troupes de croisés, missionnées par le pape Innocent III et le roi de France Saint-Louis. Après un siège très court, la place forte tombe aux mains des croisés et le châtelain Chambert de Barbera capturé. À la suite du traité des Pyrénées, Quéribus perd de son importance stratégique. Il est délaissé et signalé en ruine en 1774. Sa sœur Esclarmonde, le forgeron de la Velanée, et son grand-père qui cathare. Vous avez une petite amie, un enfant qui est devenu cathare. En 1209, les croisés ne feront pas de différence entre les uns et les autres. Ils vont tuer tout le monde, ils massacrent, ils égorgent. Alors vous, les catholiques occitans, il y a 2 choses à faire dans ces cas-là. Soit tu restes les bras ballants et tu laisses massacrer les 3 quarts de ta famille, soit tu les défends.
Et avant de mourir, on va vous prendre tout ce que vous aviez, vous et vos ancêtres. On va prendre le vieux donjon de vos parents. On va prendre votre petit lopin de vigne. On va bouffer votre bétail et on va vous chasser de chez vous. Des francs, des chrétiens vont l'égorger comme la dinde de Noël, d'autres chrétiens une nuit à l'essence du Christ, une seule fois en 1000 ans, ici. On va débarquer là où l'ennemi se croit le plus fort, parce que ça c'est vu comme le monde, hein. On débarque toujours là où l'ennemi se croit le plus fort, comme des siècles plus tard du côté des plages normandes. Les soldats de l'archevêque de Narbonne prennent ces gens-là, alors on est d'accord, ce sont des Narbonnais qui vont chercher et brûler les cathares. Pas des gens du Nord, comme certaines te l'affirment aujourd'hui, parce qu'il y en a, ça ne les étouffe pas de balancer la faute sur quelqu'un d'autre ensuite, hein. Et ça les arrange. Non, ça va se passer en Occitan, entre Occitan, cette affaire-là, croyez-moi. Les Narbonnais prennent les cathares, les entraînent sur la pente que vous avez prise, et les conduisent à un lieu que chez nous, nos petits vieux, nos petits bergers, appellent toujours en Occitan l'Oupra del Cremat, le champ des brûlés. Dans le pré qui est en bas, les croisés ont creusé une gigantesque fosse, un grand trou. Ce trou, les croisés ont rempli de bois. Les textes disent, il avait même fallu trouver beaucoup de bois sec pour voir toutes et tous les passer au feu du Tartare. Ensuite, on a planté un enclos fait de pales et de pieux. Et contre cette bien vilaine palissade, alors les croisés ont pué des échelles. Je crois que parfois, ça doit être assez compliqué de rester tout seul. Le dernier, t'es quoi à finir moitié cinglé, ça? L'un d'entre eux, un combattant, va s'arrêter devant ses cendres et ses corps qui grésillent encore. Et il dit ceci, nous tous, du haut de Montségur, et cela pendant plus de 40 ans, nous avons pu défier les deux plus grandes puissances de notre époque, l'Église de Rome et la Couronne de France. Tout ça pour en arriver à ça. Avec la fin de Montségur, ce fut la fin du catharisme. Il n'y a plus de cathares sur Terre, aujourd'hui. Comment voulez-vous, diable, être cathare au XXIe siècle sans avoir reçu le consolamentum ?